Madame et messieurs, bonsoir, excellente année 2018. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce magazine pour la première fois en 2018. Merci de votre fidélité et merci de nous renouveler cette fidélité durant cette année 2018. Et je souhaite que cette année soit une année de démocratie, mais également une année d'épanouissement pour chacun et chacune, chaque Congolais et chacune des Congolaises de la République démocratique du Congo qui vivent au pays, mais également à l'étranger à travers les différents pays d'accueil, parce qu'il y a également plusieurs Congolais qui nous suivent dans le cadre de ce magazine qui sont à l'étranger. Très bonne année 2018 à vous. Et pour cette première émission Noticias de l'année 2018, mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir de retrouver un jeune, Célestin Matchichi. Il est coordonnateur de la jeunesse du Palou. Il est avocat. Maître Célestin Matchichi, bonjour. Bonjour, Disons Madame bonjour, Rachel. bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle ceux qui nous suivent vont nous suivre. Merci en tout cas de répondre à notre invitation. Très bonne année à vous. Merci, je vous le souhaite autant aussi. Merci Meilleurs beaucoup. vœux de prospérité, de santé et de longévité. En tant que politique, quels sont vos vœux pour cette année? Déjà qu'on sait que c'est une année électorale, mais quels sont vos vœux pour cette année 2018? Ben, tu l'as déjà dit tout à l'heure dans ton introduction, une année démocratique, mes vœux ne peuvent qu'être ceux de pouvoir réaffirmer notre souveraineté, de pouvoir réaffirmer notre volonté d'appartenir à la démocratie, de ne vouloir que la démocratie pour notre État, afin que les voix des uns et des autres puissent s'accorder, que le Congo aille de mieux en mieux. On a parlé congolais de la diaspora, des Congolais qui vivent à l'étranger, tous ceux qui nous suivent, ils sont nombreux, je ne saurais les citer ici, mais nous recevons quand même des appels, nous recevons aussi des remarques et suggestions de ces Congolais qui sont en France, en Belgique, au Canada, en Afrique, en Europe, en Asie, partout ailleurs. Mais venant des nouvelles de l'extérieur du pays, des États-Unis d'Amérique, cette phrase du président américain qui défrait la chronique des pays africains, pays des merdes, dans un contexte diplomatique actuel. Comment on peut considérer cette phrase du président américain Donald Trump? Qu'est-ce que ça représente en diplomatie? Ben, je crois que cette petite phrase du président Trump, Donald, n'est pas à sa place. Par rapport à l'État qu'il représente ou qu'il dirige déjà, l'État qui est déjà les États-Unis d'Amérique, le président Trump, s'il connaît la place des États-Unis au monde, il ne pouvait même pas prononcer cette petite phrase, surtout s'il connaissait que c'est les États-Unis qui restent liés à son histoire. Le président Trump ne peut pas oublier comment les États-Unis sont devenus les grandes puissances du monde, comment les États africains ont contribué à la victoire des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, et comment les États-Unis, tout en faisant un constat de la ruine des États occidentaux, ont pu financer, avec le président Henry Truman, ont pu financer les États européens pour se reconstruire. Mais n'ont jamais, les États-Unis, allais-je dire, n'ont jamais financé les États africains qui ont contribué à la victoire des États-Unis et leurs alliés Est-ce qu'il a occidentaux. tort? Alors, le président Trump, non seulement il devait comprendre que les États-Unis sont une grande puissance sur le plan militaire, sur le plan économique, mais même sur le plan moral. Il y a des vérités qu'on ne dit pas. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant albinos, qu'on a un enfant handicapé, qu'on doit lui dire que vous êtes handicapé. On peut les deux à pouvoir oublier ou à pouvoir changer. S'il croit que nous sommes un pays de merde, il devait, en tant qu'une grande puissance au monde, avoir une responsabilité de pouvoir nous sortir de l'abîme ou nous pouvoir nous sortir de cet état des choses. Que fait les États-Unis? C'est quoi la politique du président Trump par rapport à l'Haïti, par rapport aux États Mais est-ce africains? que les C'est États là le africains débat. s'affirment comme tels? Est-ce que nous Nous sommes sommes vraiment des États? pas des États de merde. Nous sommes dans la situation que nous Nous sommes connaissons quels à États? Si cause nous ne sommes pas des États de merde, nous sommes quels États? sous-développés. Nous sommes les États
sous-développés, nous devons reconnaître ça et nous devons y travailler. Nous ne devons pas être fiers à nous frotter la main, à nous appeler, à nous qualifier en tant que tel État sous-développé. Mais État de merde, ça, c'est vraiment trop bas. Que fait l'Union africaine? L'Union africaine a fait une déclaration pour décrier ces mots qui sont mal placés. Mais je crois que plus ce sont les Américains qui sont indignés. Je ne crois pas que la majorité d'Américains puissent être d'accord avec le président Trump par rapport à ces écarts de langage, par rapport à ces langages qui n'est pas digne d'un président américain, parce que les États-Unis, c'est un pays respecté, respectable au monde, qui veut que les États africains et d'autres États au monde aient toute leur dignité et qu'ils soient respectés, qu'on traite d'égal à égal. On ne peut pas traiter avec un État merde. Est-ce que c'est un homme qui réfléchit à gauche? Le président Trump ne réfléchit pas à gauche, mais n'a pas toute la diplomatie avec lui dans son langage. Il est homme d'affaires qui croit que lorsque on est président des États-Unis, il faut utiliser n'importe quel genre de langage, comme si on négociait un contrat avec un partenaire. Non, ça, ce sont les États-Unis, c'est un pays de grands messieurs, c'est un pays d'Obama. Il ne faut pas oublier que le président Obama, qui est le prédécesseur de Trump, a eu toute sa retenue et n'a pas commis des égards de langage pendant 8 ans durant et le président Trump. Est-ce que les Américains, le peuple américain n'aime pas ça? Le peuple américain, c'est un peuple respectueux, c'est un peuple religieux, c'est un peuple qui n'aime pas aussi insulter. Il se croit grand parce qu'il est grand. Mais il n'est pas là pour diminuer aussi les autres. Sinon, les droits humains qui sont contenus dans leur constitution n'auront pas de sens. La liberté qui est le principe fondamental qui est aussi contenu dans leur constitution n'aura pas de sens. Parce que là, on nous a un peu déshumanisés. Lorsque vous êtes d'un état de merde, vous êtes aussi les habitants de merde, vous perdez toute la dignité. Et qui nous l'a dit? C'est le pays qui s'est dit être de grande liberté et protecteur de droits fondamentaux. Venons-en à la République démocratique du Congo avec nos problèmes politiques. Une année 2018 voulue année électorale selon le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante. 2017 a été entamée sur fond de crise. L'année s'est clôturée sur fond de crise. 2018 entamée sur fond de crise. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous sommes dans une année électorale, mais que toute la classe politique n'a pas encore pris conscience de pouvoir nous localiser ou nous situer où nous sommes et qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes maintenant dans une situation d'anarchie. L'anarchie, selon que les uns réclament l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre et les autres sont dans la logique des élections. On peut aller même, il y a encore une autre partie qui croit que nous devons aller dans un autre dialogue pour pouvoir faire partie le président de la République et puis engager une transition sans le président de la République. C'est ça la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais c'est une situation très déplorable parce que nous disons que c'est peut-être faire la mauvaise analyse des choses ou bien les mauvais topo des choses. Nous devions partir de l'évaluation de l'accord de la Saint-Sylvestre à ces jours. Qui est appliqué selon vous? Oui, en partie. Qui est appliqué en partie. Parce que c'est un accord pour moi qui a généré des principes et non de volonté personnelle. Si en partie, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? D'abord, le premier principe la nomination d'un premier ministre par le chef de l'État issu du Rassemblement. Personne ne va dire le contraire. Bruno Tshibala est du Rassemblement. Il a été même à la CENCO comme étant membre du Rassemblement à Genval et partout ailleurs, il est de l'UDPS. Les problèmes internes qui l'ont déchiré avec ses camarades de l'UDPS ne devaient pas engager toute la nation. Mais le deuxième problème, peut-être c'est en ce moment que nous devions tous réfléchir ou que nos revendications aujourd'hui devaient plus tabler sur la décrispation de l'environnement politique ou de la classe politique.
Est-ce que nous avons réellement décrispé la situation ici chez nous? Moi, en analysant personnellement, je dirais non. Parce qu'il y a des mécontents. Le CINSAR qu'on a mis en place ne semble pas faire son travail, à part que mon grand frère Olengankoy, il est là en train de tuiter, en train de le voir derrière les chefs de l'État dans les images. Mais le vrai travail pour lequel il est là, il ne le fait pas. C'est lui qui devait plus convaincre. Il a fait une première réunion d'évaluation à Kananga, et puis après, c'était la suite au palais du peuple. C'est plus avec la CENI. C'est plus avec la CENI, mais il devait plus s'intéresser de la confiance mutuelle. Qui sont méfiants? Ce sont ses amis ou ses camarades de l'opposition qui sont méfiants par rapport à ceux qui sont au pouvoir depuis 2011, après les élections présidentielles et législatives. Il devait aller plus vers eux, leur convaincre que l'État nous appartient, que c'est à nous de faire en sorte qu'il ait élection. Parce que avec cet environnement, nous risquons de ne pas avoir de bonnes élections. Nous risquons de connaître encore de plus grandes crises après les élections, madame. Vous voyez-vous un peuple fissuré, un peuple, une classe politique crispée, engendrer de bonnes élections, organiser de bonnes élections? Vous aurez gagné, mais je contesterai, parce que surtout je n'aime pas votre tête. On ne se fait pas confiance. La méfiance s'est instaurée dans la classe politique congolaise. Et finalement, on ne sait pas qui veut quoi. Et l'église... Comment recoller les morceaux? Parce que l'élément clé, confiance, a été brisé. Comment recoller les morceaux? Ben, ça devait être la recherche de tout le monde en ce moment ici comme solution. Nous devions tous y penser, comment recoller les morceaux. Mais tout dépend de notre volonté. Est-ce que nous aimons le Congo? Tout part de l'amour du Congo. Si on aime le Congo, on efface son que ceux qui son aiment égo. Le Congo initie, prennent le devant, prennent l'initiative. Ceux qui aiment le Congo devront comprendre ce qui est plus important pour nous. Ce qui est plus important pour nous, c'est de sortir de cet état de choses. Ce que nous devons légitimer les institutions. Et que ce soit avec les élections. En ce moment, on devait légitimer par moyen démocratique des élections. Les élections. Et maintenant, on devait y penser comment aller aux élections. Parce qu'il y a déjà un calendrier publié. Comment faire en sorte que ce calendrier soit réaliste? Comment faire en sorte que les élections soient possibles? Parce qu'il y a trop de contraintes. Et que chercher un cadre de concertation, un cadre de dialogue, pas pour se partager les pouvoirs, mais pour vider les obstacles sur le chemin des élections. Malheureusement, on est à autre chose. On est à autre chose, on est en train de demander l'application de l'accord, on est en train de défendre l'accord, on est en train de réclamer, de programmer les marches, on est en train d'interdire les marches. Et les Congolais, ils se trouvent où? Et les problèmes des Congolais, ils se trouvent où? L'inflation, comment les résoudre? Ça se trouve où? C'est sur la table de quelle autorité? Tous ces problèmes, les prix des denrées alimentaires, tout ça, comment on va vivre? Comment on va continuer? Donc, on est en train de bloquer le peuple nous-mêmes par nos revendications politiques, justement parce que nous faisons la politique politicienne Mais justement, la solution viendra d'où? Le déclic viendra de qui? De quel côté? La solution doit venir de tout le monde, madame. La solution doit venir de la volonté du gouvernement de la République à pouvoir financer les élections et à pouvoir aider la CENI. Si vous suivez le Premier ministre, la solution doit venir de l'opposition. La solution doit venir de l'opposition qui doit accepter les calendriers et de chercher à comprendre les machines à voter que la CENI nous introduit. C'est pas ça le grand dilemme, que l'opposition accepte le calendrier électoral. Oui, mais c'est parce que l'opposition n'accepte pas les calendriers. Parce que ceux qui sont au pouvoir ne semblent pas aussi répondre aux interrogations de ceux de l'opposition. Il faut donc un cadre. Ça, je ne le dis pas en tant que coordonnateur de la jeunesse du Parti Lumumba Sinifé. Ça, je le dis en tant que citoyen. Pour moi, je crois qu'il faut un cadre de concertation qui nous permettrait de vider un peu toute cette question de méfiance, à nous faire confiance, à reconstruire cette confiance et de pouvoir instaurer un climat de paix qui nous amènerait aux élections et non un cadre qui fera en sorte que le pouvoir soit encore partagé parce que finalement... C'est-à-dire, entre autres, si je vous suis très bien, Célestin Matchiti, il faudra encore s'asseoir autour d'une table et négocier. Madame, nous sommes un pays de dialogue. Nous sommes un pays africain. Depuis 1960, on est allé de dialogue. Parce qu'on n'a jamais compris l'essence du dialogue. De table ronde en table ronde. On n'a jamais compris l'essence du dialogue. Et après, ça n'a jamais rien résolu.
Madame, c'est parce qu'on n'a jamais compris l'essence du dialogue. Ici, le dialogue a été détourné. Ici, le dialogue a été dévié. Qui dit dialogue, c'est la participation au pouvoir, c'est l'entrée au pouvoir, c'est le partage du gâteau. Mais le dialogue, il devait être là à résoudre le déficit communicationnel qui s'instaure entre nous. Donc la situation est partagée entre l'opposition et ceux qui gouvernent. Madame, il faut partir de la situation actuelle. Je vous ai dit tout à l'heure que le calendrier avait été déjà publié. Le calendrier, il est là. C'est déjà quelque chose de caution pour nous tous, des opérateurs politiques. Maintenant, il faut rendre réaliste ce calendrier parce qu'il y a des gens qui doutent. Il y a des gens qui croient qu'il n'y aura pas élection même si ce calendrier a été publié. Mmh. C'est la CENI qui doit rassurer. Mais par quel cadre? C'est dans ces concertations. Il faut que dans ce cadre-là, le gouvernement essaye d'assurer à toute la classe politique et même à la population ou bien au peuple congolais, si vous voulez, qu'il va résoudre sa part des responsabilités en finançant toutes ces élections. Il faudra aussi inviter la MONUSCO qui est chargée de la logistique. Il faudra que la société civile aussi puisse décider de pouvoir accompagner ces processus en sensibilisant la population par rapport à ces enjeux. Malheureusement, madame, où sommes-nous? Nous sommes en train de nous blackbouler sans toutefois comprendre ce qui sera l'issue. Les marches, est-ce que ça va résoudre ces problèmes? Est-ce que l'interdiction des marches, ça va résoudre ces problèmes? Moi, je me dis que rien du tout ne va résoudre ces problèmes. Mais ce cadre-là pourrait nous permettre de nous dire en face, écoutez, les erreurs, nous les avons tous commises. Les responsabilités sont partagées. Un autre dialogue, et que le Congo doit être sauvé. Un autre dialogue, c'est ce que l'opposition radicale n'accepte pas. Moi, je n'appelle même pas ça dialogue parce que le dialogue est déjà... Alors, on peut appeler ça rencontre, on peut appeler ça colloque, un cadre de concertation, moi j'appelle ça cadre de concertation, ouais. On peut appeler ça échange, c'est comme vous voulez. Mais du moins, les politiques vont se retrouver ensemble et vont décider. Et c'est ça qu'une certaine partie, les organisations de la société civile n'acceptent pas, et une opposition radicale qui n'accepte pas. Encore un troisième dialogue, pourquoi faire? Alors qu'il y a un accord. Une opposition radicale, Madame la République. Nous sommes dans une république, la chose qui appartient à tout le monde. Vous croyez vraiment qu'en optant une position radicale, nous arrangerait à aller de l'avant, à créer cette union pour pouvoir mener bien les choses? Je ne crois pas. Ce n'est pas avec les extrémités que nous allons construire le Congo ou que nous trouverons des solutions à cette crise. Lorsqu'il est né une crise, l'homme politique devrait lutter pour que nous trouvions vite une solution. Mais lorsqu'on le demeure dans les extrêmes, on ne trouvera pas une concession, on n'ira pas de l'avant. Et c'est le pays qui est fissuré, c'est le pays qui est divisé. Alors, dans les cas, opinions. Et le peuple demeurera. C'est pourquoi nous croyons que nous, les Palous, là, nous appelons tout le monde à pouvoir penser d'abord à la République et au peuple lui-même, au lieu de penser à soi-même. Parce que lorsqu'on reste dans les extrêmes, c'est bien personnel, c'est bien partisan. Maintenant qu'il faut aller aux élections, entre autres, vous avez parlé de la décrispation, comment finalement, Célestin Matchichi, pensez-vous aller aux élections alors qu'il y a des Congolais qui sont privés de leur liberté? C'est aussi ça l'objectif de la marche, on va en parler, qui est programmée le 21 janvier prochain, vous le savez, par les laïcs catholiques. Alors qu'il y a des Congolais qui ne peuvent pas et qui ne pourront pas à ce jour, si à cette allure, participer au processus électoral. Et ça, c'est le problème. Et c'est ça qui énerve à l'opposition. Et c'est ça qui énerve les peuples congolais. Alors, madame, je peux être d'accord avec vous, mais alors je ne serai pas d'accord avec la démarche telle qu'elle est déclenchée par les uns et les autres. Si c'est vraiment ça le vrai problème, moi j'en ai évoqué, j'ai aussi accepté qu'il y a ces problèmes au pays. Il faudrait alors faire un vrai topo, faire une bonne évaluation de l'accord de la Saint-Sylvestre pour voir que, un point, la mise en place du gouvernement d'union nationale a été vidée, il reste d'autres dont la décrispation de la classe politique ou de l'espace. Il faudra que tous nous puissions l'accepter. Malheureusement, on n'accepte pas ce qui est fait. On ne dit même pas ce qui reste à faire. On fait une table rase, on rejette le tout, on dit, ben, il faut appliquer l'accord. Mais l'accord avec quel objectif? L'objectif de l'accord, je vous rappelle, madame, que ce soit la cité de l'OIA, que ce soit celui de la CENCO, avec comme objectif la réalisation ou l'organisation des élections. Nous y sommes déjà avec un calendrier.
comment faire. Ça ne doit pas être un dictat, ça ne doit pas être une volonté de ceux qui sont au gouvernement, mais ça doit être une volonté aussi de tous. C'est pourquoi il avait été créé ce cadre-là, les CINSA par exemple, qui devait faciliter ce dialogue. Nous devions forcer les CINSA à le faire, sinon c'est la CENI. Alors vous dites que c'est la méthode qui pose problème. Pardon? Vous dites que c'est la méthode qui pose problème. C'est la méthode qui pose problème, c'est le manque de responsabilité ou les responsabilités de certaines institutions dont les CINSA qui poseraient problème. Et le vide qu'est en train de laisser la CENI, parce que la CENI peut facilement nous aider à résoudre ces problèmes. Quand on parlait de la participation de tous les Congolais au processus électoral, alors qu'il y en a qui sont privés de liberté, qui ne peuvent pas revenir dans le pays, des exilés, des prisonniers politiques, qui ne pourront pas participer au processus électoral. Est-ce que c'est ça, aller aux élections dans Je n'évoque pas cette question de façon globale, comme vous, madame, comme vous me la posez, qu'il y aurait des Congolais qui sont ailleurs, qui seront privés de leurs droits. Mais il faut que ça soit prouvé. Il y a des Congolais qui sont condamnés, mais qui se sont aussi exilés, qui pensent qu'en étant à l'exil, ils seront à l'abri des poursuites. Là n'est pas mon problème. Il y a des cas emblématiques. On parle de Moïse Katumbi, par exemple. Le problème de Moïse, moi, je n'ai aucun avis à émettre. Je parle surtout des Congolais. S'il y a des Congolais, voilà, vous citez aussi d'autres Congolais. S'il y a bien des Congolais qui sont condamnés pour des raisons politiques... À ce jour, la cage en compte 348. Ben, on peut mal faire ces comptages, mais je crois que la situation doit être analysée, oui, de façon générale. Je crois que la situation doit être analysée de façon générale pour permettre à tous les Congolais que vous ne connaissez pas des noms de bénéficier aussi toutes ces mesures de décrispation. Ce n'est pas individuel, donc je ne vois pas les individus. Mais ça doit être un problème qui est posé aussi par l'opposition ou la trempe de l'opposition qui se trouve déjà au pouvoir, comme celui comme celle de CINSA et tous les autres. Malheureusement, madame, le problème est né dès les jours à la CENCO, on était en train de publier les résolutions de ces accords-là, lorsqu'on a dit la primature sera accordé à l'opposition, les gens ont applaudi. Lorsqu'on a dit la constitution sera respectée, personne n'a applaudi. Lorsqu'on a parlé de la discrimination, personne n'a applaudi. Les gens ne voyaient que la primature. C'est peut-être ce qui pose des problèmes. Et là, il faut que la classe ou l'opinion... Aujourd'hui, l'opposition rassemblement, la question de la primature ne se pose plus. Vous avez suivi plus d'une fois le président du rassemblement, Félix Tshisekedi, ainsi que les cadres du rassemblement pour dire que cette question a été vidée et c'est une question qui a perdu tout son sens. Là-bas, ce n'est plus la question à l'ordre du jour. Ici, la question au rassemblement, c'est de voir comment aller aux élections et comment voter un autre président parce que Joseph Kabila a déjà épuisé ses deux mandats constitutionnels. Mais nous sommes déjà dans cette logique. Parce que la Constitution l'a déjà dit. Mais si les signaux ne sont pas très forts, si pratiquement rien ne rassure, qu'il y aura exactement élection. Oui, mais si rien ne rassure, vous croyez qu'une seule partie peut résoudre ça? Il faut que les gens dialoguent, il faut que les gens se concertent. C'est ça le problème. Ben, c'est le problème qu'il ne veut pas. Moi, je l'ai dit, personne de son côté ne pourra trouver des solutions à ces problèmes. Le problème, c'est que moi, je ne parle pas du dialogue, je parle des concertations. Qu'il n'y ait pas des gens qui soient assoiffés du pouvoir pour pouvoir entrer. Alors, ça doit se faire quand? Parce que c'est déjà janvier, au mois de décembre, il faut qu'il y ait élection. Mais ça sera quel format pour décider de quoi? Qui sera là? Qui ne sera pas là? Madame, c'est aussi ça le problème, et vous savez comment temps, ça va se passer. Depuis que ce temps a sonné depuis que le calendrier avait été publié. Je l'ai dit, c'est ça, cette façon d'agir pour pouvoir créer un caractère réaliste de ce calendrier. Sinon, nous sommes en train de perdre notre temps inutile et les élections s'éloignent de nous. Pourtant, nous pouvions en ce moment ici profiter au lieu de faire autre chose. Moi, je ne condamne pas. Marcher, c'est un droit sacro-saint. Je veux que les gens continuent à marcher et puis ils doivent être protégés. Comme c'est un droit, il ne faut pas non plus le réprimer. Évidemment. Comme c'est constitutionnel et comme c'est légitime. Et l'ordre public doit être respecté aussi. Personne n'a violé l'ordre public. Voilà. La dernière marche du 31, vous avez vu ce qui s'est passé. Personne n'a violé l'ordre public, Célestin Matchichi. Entre nous, soit dit. Déjà, la marche n'avait pas été autorisée. Je ne donne pas raison à l'hôtel de ville pour n'avoir pas autorisé cette marche. Parce que je sais que depuis un moment, ce droit est violé. Mais ce droit est violé à cause de qui?
ses droits est violé à cause du Parlement qui ne nous a pas donné une loi organique pouvant organiser ces manifestations publiques. Ses droits n'est pas violé parce que le gouverneur André Kimbuta l'interdit. Le gouverneur vous dit que la Constitution a bien posé un principe du régime d'information. Mais il faudra encore que la loi puisse très bien organiser avec beaucoup de détails. Mais le Parlement est là. Depuis très longtemps, personne n'en parle. Les critiques, nous les dirigeons vers l'hôtel des villes. Qui n'est qu'exécutant des textes. Nous n'avons pas ces textes-là. Nous n'avons pas ces textes-là. Les manifestations publiques sont d'ordre public et ce sont des droits sacro-saints que nous avons besoin, nous, en tant que peuple, nous, en tant que citoyens. Malheureusement, il n'y a aucune loi qui organise ces régimes d'information. Il est seulement dit que vous devez informer l'autorité urbaine. Mais est-ce que nous avions déjà demandé à la Cour constitutionnelle de pouvoir nous interpréter cette information? C'est le vrai problème. Pourtant, avec une loi organique, cela nous permettrait de bien saisir l'autorité à temps et de bien appliquer les dispositions y afférentes. Malheureusement, je vous dis que le premier responsable de cette situation, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat. Alors, c'est que dans ce cas, il n'y aura plus de manifestations jusqu'à nouvel ordre. Il faut que nous ayons des manifestations, mais nous devons savoir responsabiliser les autres. Si ces manifestations sont réprimées, il n'y a pas longtemps, il y a, disons, quelques jours, à la cathédrale, la messe en mémoire de ceux qui nous ont quittés, ceux des Congolais qui nous ont quittés le 31 décembre 2017, il y a, la police a encore gazé les manifestants, alors qu'il y a, pour certains, pour les témoins qui étaient là, il n'y avait pas des manifestants, c'était des partisans des partis politiques qui voulaient accompagner leurs leaders, etc. Et on a encore gazé. Ça veut dire que là, personne n'a plus le droit de manifester dans ce pays jusqu'à nouvel ordre. Madame, et ça peut aller jusqu'à la fin de l'année prochaine. Moi, je ne peux jamais encourager cette situation parce que le droit de l'homme c'est même réduire l'essence. Alors que nous avons été élus au Conseil de la République, le droit de l'homme. Nous, en tant que Palou, nous sommes nés dans l'opposition. Et puis nous avons chassé Mobutu de ce pays avec les manifestations, même si elle avait été réprimée aussi de la mauvaise façon. Nous ne pouvons jamais tolérer cette situation. C'est pourquoi nous appelons aux responsables de pouvoir régler cette situation afin que tout le monde jouisse de leurs libertés effectives. On voyait des images qui défilaient là, des manifestants, des partisans de partis politiques qui accompagnaient Vital Kamerhe, qui sortaient de la cathédrale et on a gazé. C'est quoi cette manière politique de sécuriser les Congolais? Gazer, tirer à balles réelles? Les manifestations doivent être encadrées. Je ne parle pas de l'usage de gaz lacrymogène comme étant quelque chose de très nuisible ou bien de très qui devait être interdit dans une société comme la nôtre. Mais je me dis que cela devait être utilisé de façon professionnelle. Pour une bonne raison, lorsqu'il y a des débordements et que la police ne peut pas faire face à une troupe ou à un groupe de gens aussi en mouvement, la police peut toutefois faire usage au gaz lacrymogène. Mais moi, mon problème, c'est lequel? C'est que une messe pour les morts devrait être bien respectée, devait demeurer une messe. Ça ne doit pas être une occasion de discours incendiaires, de discours politiques. Il y a des gens qui sont allés prier pour une pensée pieuse à tous ces... La messe a été dite et le communiqué à la fin. Vous y voyez de la politique? J'ai suivi les compatriotes tenir des discours politiques à la fin de cette messe. Je ne parle pas de l'archevêque, je parle des acteurs politiques. Je peux même les citer, ce n'est pas un secret. Ils sont libres. Ils sont libres à la fin de la messe de faire leurs commentaires. Mais c'est ça même l'essence de pouvoir changer la nature d'une messe. Lorsqu'on se retrouve d'une messe, on est devant Dieu et la personne. Nous allons remercier Dieu pour nous avoir donné des illustres disparus. Et pour une bonne cause, ce sont les artisans de la liberté. Ils sont allés manifester. Ils méritent une respect. Mais c'est leur liberté. C'est leur liberté à eux. La messe a été dite. La messe est terminée. Chacun fait son commentaire à l'extérieur de la salle de l'église. Libre à chacun de commenter. Madame, je n'ai pas demandé à la police de pouvoir utiliser des bombes lacrymogènes à l'égard de toutes ces personnes-là, oui, des gaz lacrymogènes. Mais j'ai dit aussi que de l'autre côté, on ne doit pas confondre les occasions.
L'église reste l'église. La prière reste la prière. Elle ne doit pas être confondue avec une manifestation politique. Est-ce que vous avez l'impression que l'église catholique se politise davantage, que les évêques, le prélat catholique se politise davantage, que le cardinal Mossengo est politique? Ben, je ne le dirai pas ainsi. Je ne le dirai pas. Ben, mais je suis seulement en train de dire que peut-être que jusque-là, il n'y a pas encore eu une bonne lecture des choses ou que la lecture des choses par l'Église n'est pas encore bien comprise, que l'opinion peut croire que l'Église est en train d'appuyer l'opposition parce que finalement, les dernières manifestations de l'opposition ont été presque un peu déviées. On parlait des marches, mais on était dans des villes mortes et puis ça a été un échec. Et finalement, c'est avec l'Église ou les opposants, même s'ils sont kimbanguistes, même s'ils sont musulmans, ils s'accrochent aujourd'hui. Mais là n'est pas l'essentiel. L'Église n'a pas de coloration. L'Église n'a pas de coloration. L'Église est peut-être, il y a un problème, moi je le lis. L'Église s'est dit avoir organisé les dialogues à la CENCO et l'Église veut sa place. Si l'Église dit aujourd'hui que ces accords n'ont pas été respectés, l'Église se dit aussi, se voit aussi à mal. Un jour, l'histoire dirait peut-être que l'Église a organisé tel, mais ça n'a pas été une réussite. Mais l'Église devait continuer à faire bien le topo des choses pour ne pas tomber dans les pièges de l'opposition. C'est là le grand danger. L'Église ne doit pas emprunter la voie de l'opposition. L'Église doit avoir sa voie à elle-même, qui serait cette voie de pouvoir unifier la population divisée, de pouvoir nous réunir pour un bel objectif. Quelle est cette crainte si l'Église catholique, dans un État laïque comme la RDC, appuie l'opposition? Quelle est la crainte? Mais la crainte, c'est celle-là. La crainte, c'est que l'Église ne serait plus au milieu du village. C'est que l'Église serait colorée. C'est que l'Église qui réunit beaucoup de chrétiens, qui se trouveront aussi de l'autre côté. L'Église catholique, la plus grande Église parmi les Églises en République démocratique du Congo. Ça veut dire que c'est un pari gagné déjà à l'avance si l'Église appuie l'opposition. Ben moi je n'ai même pas encore réussi à affirmer ici que l'Église est en train d'appuyer l'opposition, mais l'opposition est en train de se greffer derrière la position de l'Église, où l'opposition est en train de changer de combat. L'opposition trouve maintenant le combat dans ce que l'Église réclame. Ben ça peut être vrai, ça peut être aussi mal interprété, mais je dis que l'Église, à la dernière minute, devrait comprendre ce qui est plus important pour un peuple, c'est de ne pas se diviser. Et l'Église devait nous aider à nous unir pour atteindre l'objectif. À l'Église, on fustige le fait que la majorité présidentielle voudrait diviser les évêques, voudrait diviser, profiter de cette occasion pour diviser les évêques, parce qu'il y a encore des évêques aujourd'hui, notamment ceux de l'Est du pays, qui se désolidarisent un tout petit peu de la CENCO ou même du message du cardinal. Est-ce que c'est l'impression que vous avez que la MP voudrait s'aimer un peu des désordres au sein de l'Église catholique? Le danger, c'est lui-là. L'Église qui est appelée à jouer à la neutralité devait tenir compte de tout ça. Lorsque vous donnez à l'Église une coloration, et sachez que dans l'Église, il y a déjà de toutes les tendances. Et même les évêques, ils peuvent avoir chacun sa tendance à lui. Et maintenant, finalement, la manifestation de toutes les tendances, parce que finalement, si la tête, si la CENCO elle-même prenait une position, cela va permettre à tout chrétien de se déterminer. Cela va permettre à tous les évêques qui ne sont pas membres de la CENCO à pouvoir se déterminer. Et finalement, nous allons colorer notre Église à nous. C'est un danger. C'est un danger. Il faut pas que l'Église de Jésus-Christ soit colorée. L'Église est le seul qui trouvera des solutions pour pouvoir nous unir. Parce que Dieu n'est pas dans la division. Dieu est dans l'unité. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'à ce jour, Célestin Matchichi, en âme et conscience, ce que fait l'Église catholique est vraiment mal, ou ce que dit le cardinal est vraiment mal? Est-ce que le cardinal a tronqué la vérité? Est-ce que le cardinal n'a pas raison dans ce qu'il dit, lui, en tant que gérant, en tant que prélat, en tant que le patron de l'Église congolaise, le père spirituel des catholiques congolais? Madame, on ne peut pas s'ériger ici en juge pour condamner ce que dit l'Église ou bien pour appuyer ce que fait l'Église.
Mais la solution intermédiaire. Alors qu'à un moment donné, il faut s'assumer, il faut se démarquer. C'est qu'il faut s'assumer. Il faut dire les choses clairement. Alors qu'à un moment, il faut s'assumer. Ceux qui s'assument déchire plus. Lorsqu'on s'assume en prenant part, on serait en train de contribuer à la fissure. Pourtant, c'est ce qui est très dangereux pour le peuple congolais. Madame, vous ne savez pas combien nous sommes divisés dans nos différents quartiers. Si nous devenons... Vous savez ce qui crée une guerre civile? C'est la division entre les peuples. Et c'est avec de petits mots. Tel chrétien est pour ça, l'autre est contre. Et finalement, ils peuvent se faire la guerre entre eux. Encore que nous avons la grâce jusqu'aujourd'hui, ça reste à un certain niveau. Et moi, en tant que un nationaliste, moi, en tant que un chercheur de l'unité du pays dans tous les plans, je ne peux jamais juger les uns et les autres. Mais je ne peux que les appeler à l'unité. L'unité qui voudrait que tous nous puissions trouver des solutions à la situation actuelle. C'est là peut-être que nous ne mettons pas comme les autres. C'est là où nous nous distinguons comme les autres. Ceux qui se croient avoir raison, parce qu'il y a le programme des marches qui nous diviserait, ils peuvent continuer à nous dire. Ceux qui croient qu'il faut réprimer les marches, nous ne les soutenons pas non plus. Et finalement, nous sommes de quel côté? Nous sommes du côté de l'unité, nous sommes du côté de la cohésion, nous sommes du côté de la confiance mutuelle. En ce qui concerne le cardinal, quand le cardinal dit, par exemple, dans sa déclaration que les médiocres devraient dégager, que finalement la vérité doit triompher sur les mensonges, etc., est-ce qu'il ne traduit pas la réalité de ce qui est vécu en RDC? Le cardinal est un citoyen congolais. Il faut les considérer aussi comme tel, lui sortir de l'eau de clergé et puis finalement lui reconnaître la qualité d'un citoyen congolais qui a des droits civiques et politiques et puis un avis à émettre à une situation qu'il constate ou à un topo de la chose publique ou de la lecture qu'il fait de la gestion du pays. Le médiocre dégage, ben, c'est peut-être un souhait. Je vois le médiocre dégage, c'est à l'impératif, c'est un souhait. Il veut que le médiocre puisse dégager. Le médiocre, c'est une mention, c'est une cotation. Donc, je cherche à sublimer cette phrase-là. Je ne veux pas qu'elle soit une phrase qui puisse encore envenimer la situation au niveau du pays. Donc, lorsqu'il est dit, il veut que nous ayons l'excellence dans notre pays. Il ne sait pas de ça, quelqu'un qui tel est médiocre. Voilà, donc ce n'est pas de l'insulte. L'insulte peut être au niveau de l'intention. Lorsque l'on cherche à nuire à quelqu'un, qu'on le qualifie de médiocre, là, ce n'est pas un bon langage pour un cardinal. Parce que lui, c'est un homme de Dieu. Il y aura encore marche le 21 janvier prochain. Est-ce que le Palou va appuyer cette fois, soit le Rassemblement Limité, qui aussi propose une contre-marche le même 21? Est-ce que vous appuierez la marche des laïcs catholiques? Le Palou va s'exprimer, je crois, les 17, juste après les manifestations de la commémoration de notre héros national. Le Palou va donner sa position par la bouche autorisée de son secrétaire permanent et porte-parole, camarade Logi Gizenga. Il va lire le message du secrétaire général. Et finalement, le Palou va vous dire la position que nous adoptons par rapport à cette crise. Nous ne sommes pas organisateurs de marches. Vous parlez de laïcs catholiques. Ce n'est pas au Palou de les interdire. Parce que nous soutenons un état de droit. Ouais. Il y a des catholiques dans le Palou. Voilà, il y a des catholiques. Tout le monde est libre. Tout le monde est libre. Mais nous, en tant que parti, nous chercherons la voie qui nous amènera à une solution. Et non celle qui continuera à nous diviser. Parlons maintenant du Palou, Célestin Matchichi. Quel est à ce jour la relation qui vous unit avec la majorité présidentielle? La majorité présidentielle, peut-être la solidarité au niveau du gouvernement. Nous faisons partie du gouvernement, eux, ceux de la majorité. L'alliance est tombée. L'alliance avec la MP n'existait pas déjà depuis 2011, parce que nous avions eu l'alliance de 2011 en 2016 avec le PPRD qui devait prendre fin aussi en 2016 ou qui a pris fin en 2016. Mais nous avons la solidarité de la part du candidat Joseph Kabila, qui a été aussi le candidat du Palou de 2006 en 2011. Nous avons investi chez nous au Palou le candidat Joseph Kabila comme notre candidat président de la République. Il est toujours en place. Nous continuons
à garder cette solidarité avec lui, et nous sommes respectueux des principes qui voudraient que le président de la République soit remplacé par les élections. Pour le reste, le PALU est une formation politique avec l'introduction des seuils. Vous savez, ici sur votre plateau, j'ai déjà été pour réclamer la paternité de l'idée de l'union de la gauche. Le PALU est favorable à cette idée, et que le PALU attend tous les autres partis pour pouvoir former des grands ensembles et aller aux élections afin de vider cet émiettement ou bien ce saucissonnage des sièges au niveau du Parlement. Ça veut dire que si l'on comprend bien en ce moment, le PALU n'est qu'en, vous dites, partenariat avec le PPRD, pas la majorité présidentielle. Et une solidarité gouvernementale. On est plus solidaire avec le chef de l'État qui est aussi notre candidat. Mais vous devenez quoi? On vous situe où finalement? Nous sommes un parti. Nous n'avons jamais été membres de la MP, qui est une plateforme dirigée par le président Obeminaku. Nous n'avons jamais été membres de cette plateforme-là. Il y avait une solidarité qui nous liait. Mais lors de l'alliance, le PALU soutenait plus ou moins toutes les prises de position de la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, vous décidez en tant que parti indépendant. La solidarité, nous ne soutenions pas, comme vous le dites, mais la solidarité, lorsque vous gérez ensemble, vous êtes censé avoir d'être solidaire. C'est ce que nous avons été depuis un temps. Et nous avions dit que cette alliance avec le PPRD avait pris fin en 2016, mais que nous restions solidaires au chef de l'État, qui est aussi le candidat du PALU. Ça, il ne faut pas oublier, c'est le candidat indépendant Joseph Kabila avait été aussi le candidat du PALU. Donc nous restons avec lui, avec toute une possibilité de pouvoir continuer à créer de grandes unions avec le PPRD et tous les autres partis. Pourquoi pas? Parce que nous avons géré avec le PPRD de 2007 à ce jour. Pourquoi ne pas créer une grande union de gauche avec le PPRD, l'UDPS et tous les autres partis qui se réclament d'être de gauche? C'est peut-être ça le temps pour nous. Le temps, il nous serait important ici au Congo, avec la création de ces grandes formations, parce que déjà, l'essai est dans notre loi électorale. Malheureusement, nous sommes en train de perdre le temps à nous diviser inutilement. Pourtant, le vrai problème, il est là. Alors, la question du seuil, est-ce que demain, le PALU peut s'associer à d'autres formations politiques pour finalement faire face à la question du seuil possible? Madame, il faut rappeler à tout le monde, il faut rappeler à toute l'opinion nationale et internationale que l'idée du seuil, que l'idée des grandes formations, c'est l'idée du PALU, c'est l'idée du vénérable Antoine Gizenga, depuis 65 jusqu'à ce jour. Tout son combat, au-delà de la démocratie ou au retour de la démocratie, n'a que tourné autour de ça. Que nous ne pouvions pas, si seulement nous étions là pour les peuples, en train de créer des partis politiques de façon pêle-mêle, mais que nous devions nous réunir autour des idéologies pour pouvoir présenter au peuple congolais des grandes visions et à lui de choisir celle dans laquelle il adhère. Mais non de continuer à créer des partis politiques pour les positionnements personnels des hommes politiques. Et avec ce seuil-là, je crois que l'État est opportun pour que nous puissions rendre effective cette idée afin que les partis politiques, les partis familiales ne puissent plus exister. Est-ce que le PALU aura un candidat président de la République? C'est depuis 2011 que nous le disons. Nous aurons un candidat président de la République. Je vous rappelle que même en 2006, nous avions un candidat. Même en 2011, je vous dis que le président Joseph Kabila est le candidat aussi du PALU. C'est qu'il était notre candidat. Et nous avions dit en 2011 que le PALU va présenter des candidats de la présidence aux locaux. Donc, le PALU aura un candidat sans doute qui sera connu dans pas longtemps. On a parlé de seuil de représentativité, la caution électorale, loi électorale. Un groupe de députés nationaux et sénateurs est allé déposer ce lundi même un recours en inconstitutionnalité de la loi électorale modifiée. Ben, c'est un recours. Personne ne peut donner la vie à lieu et place de la Cour constitutionnelle. Donc, nous allons attendre que la Cour constitutionnelle puisse émettre son avis. Mais c'est ça aussi l'affirmation de la démocratie. Dans une démocratie, tous les mécanismes sont mis en place que lorsque vous n'êtes pas d'accord, que vous saisissiez l'entité compétente, mais qu'à la fin, vous vous soumettez à la décision qui sera rendue. Ça
Pasteur Matichi, merci beaucoup d'être passé sur les antennes de Numérica Télévision. On va terminer petit à petit cet entretien. Au Palou, est-ce qu'on pense que Joseph Kabila a terminé ses deux mandats? C'est fini? Il faut passer à un autre candidat? Ou il est encore possible qu'il revienne et qu'il se présente comme candidat président de la République? Au Palou, en tant que lumumbiste, le principe, il demeure de la démocratie. Qu'une constitution qui n'a pas été changée, modifiée, qui n'autorise pas les mandats illimités, devrait être respectée. C'est tout ce qui est plus important. Ce n'est pas la personne de Joseph Kabila, mais la constitution elle-même, elle est claire en la matière. Et que le Palou dit que nous avons certes dépassé le mandat tel que limité dans la constitution, mais il y a encore moyen de pouvoir sauver cette constitution avec l'organisation des élections qui est alternance, afin que le Congo puisse être modèle de la démocratie au monde, et ou en Afrique surtout, et pouvoir donner de l'espoir à de nouvelles générations de pouvoir croire à notre capacité de demeurer démocratique tel que nous sommes nés. C'est là le grand combat du Palou. Le lumumbisme rime avec la démocratie. Le lumumbisme n'a jamais rimé avec la dictature, parce que je vous dis qu'au jour du 30 juin 1960, Kizenga était déjà député, Lumumba était déjà député, et il n'attendait que l'indépendance pour pouvoir aller au gouvernement et devenir peut-être premier ministre. Ce groupe de députés s'offusque également sur la machine à voter, mais également sur la caution électorale jugée très exorbitante parce que cette caution électorale n'est plus une caution des listes, mais une question par candidat sur liste électorale. Ça, c'est faire des élections pour les plus riches. Et les plus faibles ne pourront pas se représenter ou se présenter en tant que candidat. Ils ont peut-être raison sur la caution, parce que nous ne sommes pas un état de bourgeois. $1000 américains. Nous ne sommes pas un état de bourgeois. Candidat. On ne peut pas interdire les droits de pouvoir postuler à un poste parce qu'on n'a pas de moyens. Cela devrait être même gratuit. Mais voilà qu'un État qui souffre déjà, un État où un enseignant n'est pas payé, n'est pas mieux payé, on lui demande de payer la caution de $1000. Où devrait-il prendre de l'argent pour pouvoir devenir responsable s'il peut incarner l'idée de pouvoir représenter? Ça veut dire qu'on peut espérer du côté de la Cour un réaménagement? Ben, mais c'est ça le mécanisme mis en place par l'État. Lorsqu'on a pu, on n'a pas pu obtenir les gains des causes au niveau de l'Assemblée pendant les débats, on peut espérer à la Cour constitutionnelle pour pouvoir faire l'équilibre des choses. Sur la question des seuils, je crois que nous allons nous mettre d'accord qu'il fallait des seuils pour pouvoir... Et la machine à voter. La machine à voter, c'est un vrai problème. Mais la responsabilité, elle est remise. Je ne connais rien sur la machine électorale, la machine à voter. Aucun parti ne peut prétendre en ce moment s'y connaître, sauf attendre les explications que la CENI devra donner à toute la classe politique. Commencer avec les différents partis politiques, prendre peut-être le plus grand parti politique, leur expliquer c'est quoi la machine à voter, comprendre les rouages de tout et nous assurer la transparence de cette élection. Sinon, ça va être très dangereux, personne ne peut s'assurer. Donc, vraiment, la CENI a une grande responsabilité par rapport à la sensibilisation, par rapport à l'explication ou à l'introduction des machines à vote au Congo. Merci beaucoup, Célestin Matichi. On va penser aux Congolais qui nous ont quittés, malheureusement, 44 morts lors des pluies diluviennes. Tout ça, c'est aussi la responsabilité de l'État congolais qui accorde d'autorisation de bâtir n'importe où, l'État qui ne sait pas remettre de l'ordre dans certains endroits, encore que dans la capitale, à chaque tombée de pluie, il faut compter des morts. Finalement, cet État, en quoi est-il responsable? D'abord, la responsabilité de l'État, parce que le plan urbanistique lui revient.
l'autorité urbaine devait avoir un plan urbanistique pour toute la ville de Kinshasa. Malheureusement, vous voyez, nos carniveaux sont bouchés, les égouts, depuis, me semble, les cinq chantiers, les égouts qui nous servaient, donc ce sont des carniveaux souterrains qui nous servaient à ramener de l'eau dans des grandes rivières ou bien dans les fleuves ici, ne sont plus là et qu'il y a, quand il pleut, il y a de l'eau qui stagne et finalement ça nous revient, ça nous inonde et puis finalement notre temps après la pluie devient très chaotique, très dérangeant et que ça nous fait subir des problèmes comme nous les avions connus. Mais aussi la responsabilité de la population. Ce n'est pas parce que notre l'État est en faillite que nous-mêmes, peuple ou nous-mêmes citoyens, nous devions nous laisser. Comment nous construisons? Nous construisons anarchiquement. Nous, des lotissements, d'où ça nous vient? Alors au lieu que ça nous vienne de l'État, mais que ça voulez-vous nous vient des chefs coutumiers. Mais que voulez-vous qu'ils fassent? Mais c'est ça la si responsabilité. Si quelqu'un a $800, $600 et veut s'acheter de l'espace, un terrain pour se construire une petite maison en briques ou en tôle pour loger sa famille, mais qu'est-ce que vous voulez? Madame, tout citoyen devait se considérer d'abord responsable politique. C'est ça la responsabilité aussi d'un citoyen. Chaque citoyen était responsable politique à un niveau précis. Lorsque vous savez que il y aura des eaux là où je vais construire et que ces eaux devront couler jusqu'à la rivière, vous deviez bien construire. Même avec peu de moyens, vous deviez bien construire. Cela aurait été une politique urbaine qui décide du lotissement, mais qui prévoit déjà des carniveaux, des égouts et qui prévoit tout. Finalement, demande à la population d'occuper l'espace et de pouvoir construire. Malheureusement, l'État a failli. Mais nous-mêmes, nous avons contribué, nous avons participé à cette faillite en tant que peuple. Nous construisons anarchiquement et nous mourons. Et lorsque nous mourons, nous n'avons même pas personne à qui se plaindre. Lorsque nous mourons, vous avez déjà vu l'État indemniser ceux qui ont perdu les leurs pendant ces pluies diluviennes? Le gouvernement provincial, par le biais du gouverneur André Kibouta, a assisté les familles sinistrées. Vous avez et parlé, le gouvernement central. Vous avez parlé et de le gouvernement central la semaine dernière. Vous avez parlé est allé de l'assistance, les madame. Familles sinistrées. Célestin Matichi, vous avez merci parlé beaucoup. De l'assistance, c'est de l'aide, merci. Ce n'est pas un remboursement, c'est pas merci. Un dédommagement. Merci beaucoup Célestin Matichi, coordonnateur de la jeunesse du Palou, d'être venu commenter l'actualité avec nous. Le tout premier invité de l'année 2018 de Noticias sur les antennes de Numérica Télévision. Et moi, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver au nom de Carlos Pacassa, Doudou Kassouba, Freddy Manzaka, Didier Boalé, mais également Madame Bienvenue Babois, la directrice de programme à Numérica Télévision. Nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Excellente année, mais également très bonne suite de programme sur Numérica Télévision.